Allez, c'est parti, la grande finale. Le remake sera voir. Voilà, ça se serre la main bien gentiment. Comme deux jeunes hommes bien élevés. Il va falloir changer chef parce que là c'est le bordel. Grande finale, ouais, je me suis mis un peu la bombe, mais c'est pas grave. Sora, il est bien au bon endroit. Rico, hop. Monsieur Rico O. Sora qui revient du loser. Voilà, donc si il veut gagner, il faut qu'il reset le bracket. Donc, gagner une manche en 3 pour regagner après une manche en 3. Et ça se joue dans le stage de Bison. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas. On va voir. Pour l'instant, non. Pour l'instant, il en prend plein la tête, Bison. Allez. On va voir. Non, ça en tire toujours pas. Non. Il les a toujours pas retrouvés depuis que. depuis la finale loser. Ah, la belle ouverture de sur un dash avant. Il a cherché sûrement la air shop, mais il n'a pas sorti. Le pressing a fini. Il pousse fort. Allez, petit dash avant, ça met le pressing. Le double reverse, il peut pas faire grand chose dessus. Hein, dash. Il n'a plus qu'à le recevoir bien gentiment. Ouais, dash avant, pas puni. Le pressing, scissor kick. Donc après le scissor kick, par contre, c'est retour de Nash. Sauf quand il est en ex. Allez, mais reversal. Il a voulu punir et il la prend pleine tête. Et là, il se trouve dans le coin avec un pixel de vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, il a tenté la phase, il l'a pas mis. C'est la chope qui est passée pour Nash. Et voilà, il va prendre le 3 frame. Le 3 frame anti-embrouille. Sabot le 3 frame et ça meurt. Allez, premier round pour Monsieur Rico. Qui va mettre un gros coup de tatane dans la tête de Nash. À la recherche des anti-airs sur allez sur Facebook Gamers Garden ou sur Twitter, nous recherchons les anti-airs de Bison. Abonnez-vous à la chaîne. Ouais, la petite dash arrière pour Oh là là, il va se faire. Oh là là, ça fait n'importe quoi, ça punit mal, ça bourre des trucs pas safe en pleine garde. Oh là là, cette ouverture, je voulais rien dire là. Ah là là, il a puni là. Ouais, moi je suis pas trop fan de. Ouais, c'est ça, hein. c'est pas ouf. Hein. Ah, il va lui mettre le pressing, mais la garde de Bison tient bon pour l'instant. Ah non, il met les 3 frames. Il met 3 frames, il n'y a pas d'embrouille. Plus Bison qui a son V-reversal, il va pouvoir canceller. Voilà, il n'y a même pas besoin. Il aurait pu canceller une glissade. Mais il est mort. Bon. Monsieur Rico. Monsieur Rico, voilà le premier Sora point. Qui met du temps à rentrer dans la partie, il n'est pas encore là à son meilleur niveau. Il n'est pas encore bien assis sûrement. Encore sur sa chaise. Est-ce qu'il est vraiment. Ah si, il est bien là pourtant. Comment? Non non, c'est en 100 là. FT 100. Allez-y, c'est pour ça que je vais vous dépêcher parce que. Mister Rico ouais. Qui déboule. qui est plus où il habite. C'est son premier ranking, il sait plus son premier. Non, c'est FT1, c'est. c'est hard. Grande finale en FT1. Bleu. Voilà. Il sort les phases, mais ça passe plus là. Il a compris, sur Rico. Ah, l'anti-air, mon dieu. Bravo, il l'a retrouvé. Il est réapparu soudainement. Ah là, l'ouverture devant, ça va faire mal. Il tente les embrouilles de Trigger, ça ne marche pas. Il va la rattraper avec la chop. Dash avant chop. Oh là là, le cross-up. Le Trigger en cancel. Oh, il a pas cancel le Trigger, il a raté. Ouh, il a raté. Ah, il cancel en pleine garde pour s'épuiser, mais il va prendre la phase indépendante de sa volonté. Un faible sight avec la super en cancel. Et ça tue. C'était pas forcément nécessaire, mais bon, le principal c'est de tuer. Ouais, faut mieux tuer. Bon, c'est vrai que c'était un peu. C'est un peu overkill. Disons-nous. Allez. Une balle de 1 pour Monsieur Soravardi qui fait dash avant shop. C'est très bien joué ça. Alors, tu l'as raté. C'est lui qui l'a bouffé. Voilà, petite ouverture en light, mais il cancel rien d'intéressant derrière. Ah, le cross-up, ah, il le prend à chaque fois là, il prend un super devant. Super qui fait pas très mal à Bison, mais bon, ça va quand même envoyer un peu. Hein. Ouais, voilà, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Je l'ai envoyé moins puissante dans mes souvenirs. C'est-à-dire que moi je la prends jamais, alors c'est moi je me rappelle pas. Pour ça que
que ça doit être fini, tu as perdu. Ouais, mais bon, bref. Enfin. On ne va pas tergiverser à ce sujet. Qui vient égaliser. Léger avantage à la barre pour le gros. Oh là là, ce David Rivers. Sauter d'un bout de l'écran à l'autre. Ouais, ça tente. Voilà, ça tente les ouvertures à la chop. Ça ne passe pas. Ah, l'anti-air là, il les a retrouvés. C'est très bien ça. Vous pouvez quand même, les envoyer à Gamers Garden si vous en trouvez d'autres. N'hésitez pas. Ah, la phase officielle, ça fait au moins 5 fois qu'il a fait celle-là. Ah, le crush counter, ça fait mal. Il est stun dans le coin. Il va avoir pas mal de damage de vie. C'est pour ça qu'il va pas tenter un combo trop long. Voilà, l'ouverture, c'est dommage, il a pas bien enchaîné. Oui, ah, c'est bien joué, c'est très bien joué. Ça fait un partout. Sora Wardy qui vient égaliser. La suite de ce très beau pressing. Le pressing pour bien laver Bison. Il a mis. Va être un peu plus prudent maintenant. Ouais, prudent, je sais pas si c'est trop son joueur. Il va plutôt mâcher plus de gros pieds, je pense. On va avoir du mort, gros pied, du gros point. Mort gros pied. Il réfléchit. Pour faire genre que ça demande de la stratégie. Ça... genre qu'il a un plan de jeu. Mais il ne la fera pas, on le sait très bien. Qu'il va bourrer des gros pieds et faire des glissades cancel des trigger. Toujours la même ouverture. Hein. Voilà, le concept qui est raté. César Kick, il prend beaucoup de cross-up comme ça, c'est dommage hein. Et la barre, parce que ça rentre très fort, le stun qui va peut-être arriver pour Sora. Il a tenté le chimie, Sora il se fait pas chimie, il se déchoppe. Impeccable, très bien joué. Ah, il a anti-air Vespus, c'est intéressant. Donc là il a stocké un projectile, avec il va le rebalancer. Ça met le pressing dans le coin et voilà, bruh, 6 heures kick au pif. Ouais, donc là on peut pas dire qu'il a vu la frame sur ce 6 heures kick, je pense. Hein. Je pense qu'il a bourré comme un gros sale. Voilà, la dash avant shop, ça c'est vraiment tous les débutants, les gens qui font ça. Hein, ouais. Je comprends pas moi. Stratégie de faible. Ah, l'anti-air, c'est bien joué, ça se fait point. Ouais, la dash qui se fait prendre par la shop. C'est bien, les entières sont prises. Oh là là, ça va faire mal. Non, il n'y a pas de crush counter sur Sunset X. Mais il peut pas avoir tous les défauts, Nash. Il faut quand même qu'il ait quelques avantages. Ah, ça va, c'était garanti. La Nash qui est encore dans le coin. Allez, il arrive à inverser les positions. Et là, il est dans le coin, ça va se prendre avec 4 frames. Allez, prends le cross-up. Qu'est-ce qu'il a pris comme cross-up? Et c'est Dash avant shot qui va te tuer. Il prend le game U. Hop, 2-1. Donc, ouais, ça va être une balle. Enfin, un match de match. Comment on dit? C'est pas une balle de match. On s'en fout. Allez, on enchaîne! La victoire de ce deuxième ranking Gamers Garden est à portée de main désormais pour Monsieur Rico. Il va tout donner, il est à fond. Il est un très, très joyeux. Il va prendre plein de points. Round 1. Allez, c'est parti pour ce troisième match. Quatrième match de la finale. Ouais, quatrième. Ah là là, l'embrouille, pas d'embrouille, devant. Ah là, ça. Saiko qui déchoppe beaucoup trop. Et je trouve que Sora il en profite pas beaucoup hein. C'est dommage. Voilà, dash avant shop classique. Voilà. Qu'est-ce qu'il en prend des comme ça? Bon gars, mais bon, tant que ça marche, il a raison de continuer. Voilà, il a tenté de casse-garde. Il est presque mort. Saut très évident. C'est petit jab entière. Je me suis couru revenir en Silver League là, sur ce saut.
poil. C'est celui du temps qui était bien mis. Les ciseurs qui copient. Ça, il a pas de crush shooter, ça va faire très très mal. Il a une barbex. Ouais, dommage, il a raté. Soit qui est presque mort, il doit gratter. Il doit gratter. Là, il a la barre aussi, en plus, il gratte la barre en même temps, ça fait très très mal. Ah, ça c'est vieux chier. Ah non, ah, c'est, oh, ah, c'est bien tenté. Le petit guerre vers sol. Deux fois. Sora qui a le super. Ouais, bah il essaiera au prochain round. Réalisation de Monsieur Rico. Et c'est la balle de match. La balle de match. Pour une balle de 3-1 et la victoire de Monsieur Rico. Pourtant qu'il a pas gagné Monsieur Rico en faisant. Voilà, c'est la dernière victoire mon gars. Ah mais il a la saison dernière je crois. Ouais, ça oh là là, ce whiff. Ce whiff de merde. Oh là là, oh là ça peut faire mal ouais. Il aurait pu mettre plus que ça, il avait le V-Trigger et tout mais bon. C'est dommage qu'il est penché. Oh là bien joué ça, bien joué, bien joué, bien joué. Ouais bien joué. Oh là là. Bien joué. Oh l'ouverture avec ça. Oh là. Ah il aurait pu tuer, il a pas tué. Allez mais voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Égalisation de Sora Wardy qui n'abandonne rien, qui ne lâche rien. Il lâche pas l'affaire. Il lâche rien. Ça c'était nul hein. Ça fait de 2. This is the second win for player 1. Round 1. Fight. Ça c'était ambitieux comme comme ouverture. Un petit peu, ouais. Ah, c'est sûr qu'il à l'arrache. Oh, ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. Ah là, bison, bien joué, bien joué. Oh là, c'est très bien joué, il a mindé parfaitement le ex. Oh là là, il a voulu faire le saut shop. Cross-up qui passe. Tellement de cross-up qui sont passés, c'est dommage qu'ils aient trouvé autant là-dessus. On dirait qu'ils sont difficiles à lire ces cross-up là. Pour ce play kick. Ah là, avec Rush Counter, ça c'est bien trouvé. Ah là, il va prendre la max, 25% de barre direct. Voilà. Il fait des. Ouais, enfin ouais, il a voulu faire un truc, il a dû safeiser parce que c'était chier. Mais. Voilà, c'est l'ouverture. Et ça va encore être une balle de match, une balle de reset. Pour Monsieur Rico. Tout peut arriver. Ouais. Ouais. Ça attaque tout de suite. Ouais, mais il ne lance pas de projectile parce que bah, il peut pas. Il y a des barbex. Quoi que là, bon, normalement, il est censé le charger quand même sans dégager vers son. Il aurait pu. Mais... Ouais, il va se trouver dans le coin, il va pouvoir mettre le pressing. La shot, là, je suis dans le coin, mais c'est pas mal. Les deux joueurs sont la barre de l'hiver. Ouais, ça peut faire très mal de la s'inscrire dans l'autre. Là, il a son petit V-Trigger, mais bon, après, il peut pas faire autant de dégâts que ça avec. Trigger qui servira surtout à aller chercher les enroules. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça, par exemple, ça c'est très bien joué. Il va mettre la super. Ah, il a pas mis la super, à mon avis, il l'a raté. Hein, c'était vraiment mal fait à la mettre. Et le V-Trigger en français, ça va faire mal. Par contre, ça va faire très 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 mal. Son ouverture, ah, ça va tuer, ça va tuer. Ah, il a raté. Quel sac. Je crois qu'il s'est plutôt chié, hein. Je pense pas qu'il ait voulu troller là. Il a raté. Et non, voilà, c'est victoire de Monsieur Rico, c'est très très bien joué. Et... Sur ce deuxième ranking Gamers Garden. Et voilà, deuxième épisode. Abonnez-vous à la chaîne, mettez les pouces bleus.
C'est ça, dans le cul à Bana, sans tout, n'hésitez pas. Et on vous remercie tout le monde et puis à la prochaine fois, ciao ciao.